Salut les amis, c'est Tonton Lego, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fortnite. Les amis, on se retrouve aujourd'hui les gars pour une présentation des défis domination locale, partie 2, et oui les petits potes, voilà. La partie 1 avait duré 15 jours, et là du coup on est reparti pour 15 jours, voilà. Les gars, avant de commencer tout simplement cette partie 2 les gars, tout simplement je voulais vraiment remercier tout simplement Ism pour son cadeau les gars, voilà. Donc je vais faire un petit débrief vite fait, exercice Shaolin, donc l'emote simplement de Ism, Madoul qui a offert son revêtement d'armes et le roi des flamands, donc merci à lui. Merci aussi à Akira les gars pour le skin Préscience, donc ça fait plaisir, merci les gars. On remercie encore une fois Madoul les gars pour son emote Piouf. Et on va remercier tout simplement la dernière personne qui est tout simplement El Kebabie les gars, Dry qui m'a offert l'emote Traite. Les gars, du coup on y va pour la première présentation tout simplement des défis domination partie 2. Bien sûr on n'oublie pas le code créateur, Tonton Lego. Premier défi les gars, ça va se passer en 3 étapes comme d'habitude les gars, comme les dominations locales partie 1. Éliminer des joueurs ou des acolytes à la plateforme. Première étape les gars, faudra en faire 3. Deuxième étape 5 et troisième étape, faudra en faire 10. On passe directement sur le prochain défi, fouiller des boîtes de munitions à Sweety Send. Donc Sweety Send c'est bien, on connaît tous les coffres, mais par contre les boîtes de munitions, c'est pas le même bail. Voilà. Donc du coup ce sera 7, 10 et 18 pour la troisième étape. On passe du coup maintenant sur le prochain défi, éliminer des joueurs ou des acolytes à l'île aux requins. Donc là, franchement, même s'il n'y a personne, les gars, vous êtes toujours sauvés pour ce défi, parce qu'il y a toujours des acolytes. Eux, ils bougeront pas. Donc ce sera 3 éliminations, 5 éliminations et 10 éliminations. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Fouiller des coffres à Craigieclift. Prochain défi, donc du coup en 3 étapes, 7 coffres, 10 coffres et 18 pour la troisième étape. Prochain défi, finir dans le top 10 après avoir atterri à Frenzy Farm. Donc on se rappelle, on avait eu sur la domination locale partie 1, on a vu la même chose à Dirty Docks, voilà. Sauf qu'il fallait faire beaucoup plus de top 10. Là, c'est un peu ça a été remanié parce que je pense que c'était un défi peut-être un peu contraignant pour certaines personnes. Sachant que vous pouvez le faire aussi en fendant panne, ça marche. Donc n'hésitez pas à le faire les gars. Vous atterrissez à Frenzy, après vous faites votre game et puis après normalement ça devrait aller. En tout cas ça fonctionne, voilà. Donc les gars, les 3 étapes c'est une fois, 3 fois et après 7 fois. Donc du coup voilà. Donc défi assez relax quand même. Alors là les gars, on va passer sur un défi qui est vraiment le plus dur. Non je rigole, c'est vraiment le plus simple les gars, c'est collecter du bois à Weeping Wood. Donc forcément si vous faites un focus sur ce défi, on va dire en 4 games, normalement vous pouvez carry le défi easy quoi. Donc du coup ce sera 500, 1500 et 3000 pour la dernière étape. On passe directement sur un défi les gars où forcément voilà je vais vous aider avec une vidéo sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir les gars, ça me fait toujours plaisir. Détruire des nounours à Holy Edge. Donc là ça va se passer en 3 étapes, donc ce sera un nounours, 3 nounours et 7 nounours pour la troisième étape. Donc à savoir que les gars à Holy Edge il y a maximum 7 nounours. Voilà, donc il va falloir être rusé. Mais pour ça, vous allez voir ma chaîne et voilà, vous avez tout ce qu'il faut. Prochain défi les gars, encore une vidéo que je vais mettre sur ma chaîne, regagner des PV ou du bouclier les gars à Francheville ou au verger. Donc les gars, je vais pas vous mentir, aller au verger pour regagner des PV, c'est vraiment pas le bon bail. Autant aller chercher directement du shield et jouer votre game derrière, comme ça au moins vous perdez pas de temps et vous faites un 2 en 1. Voilà. Donc je vous ai mis une petite vidéo les gars sur ma chaîne pour vous faire voir un petit peu comment ça se passait. Et vous allez voir, je vous ai donné une petite technique dans cette vidéo aussi, je pense qu'à mon avis, vous allez être content. Voilà, je vous en dis pas plus, mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Prochain défi les petits potes, infliger des dégâts à des joueurs à Salty. Salty, j'ai envie de vous dire, c'est pas un tilted, mais bon, il y a toujours des gens qui vont là-bas parce que voilà, c'est des villes de cœur. Donc forcément, voilà, défi que vous allez pouvoir réaliser, je pense, assez facilement. Prochain défi les petits potes, attraper des armes à Misty Midon. Vous allez à Misty, vous prenez une canne à pêche, les gars, et puis vous ramassez des armes. Tranquillou, normalement, ça devrait bien se passer. Une arme, 3 armes et 7 armes pour la dernière étape. Donc voilà les petits potes, on a fini du coup pour tous les défis de la domination locale partie 2, voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé. Si vous n'avez pas le temps de tout écouter les gars, vous allez dans la description, il y a tout le listing complet. Voilà, comme ça au moins vous êtes tranquille. Les petits potes, si vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Les gars, savoir que dans les descriptions, il y a tous mes réseaux sociaux. Donc Snapchat, Instagram, Twitter, il y a vraiment tout. Il y a aussi le Discord, les gars, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Plus on est fou, plus on rit. On a mis aussi un système de sub en place sur la chaîne pour les lives tous les matins. N'hésitez pas à rejoindre la matinale. Tonton Lego, voilà, donc du coup, ça me fera plaisir. Donc voilà, les petits potes, bon courage pour tous ces défis. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Tonton Lego. Ciao, ciao.